fanatique football, fanatique de Football Channel, fanatique Belle Boule, comment nous? C'est toujours un plaisir pour moi là avec nous, capable porter information pour nous. Et bien avant que nous allions plus loin, nous saluer tous les amis qui suivent nous dans le pays Brésil, Canada, Mexique, États-Unis, Chili, Haïti, République Dominicaine, pour citer ça seulement. Eh bien, nous connaissons ce qui fait actualité dans le moment, c'est Gold Cup Féminine Senior, première édition, qui a bien pour faire dans le pays États-Unis, sorti 20 février pour arriver 10 mars, qui a bien pour venir là. Nous connaissons la sélection nationale féminine senior, nous allons même qui pas arriver, jouer une chance pour le qualifier directement pour compétition, ça, pour aller jouer barrage avec équipe Porto Rico, c'est samedi qu'a venir là, samedi 17 février, Haïti Porto Rico, match en deux barrages pour Gold Cup féminine, première édition, n'a pas rappelé pour Haïti lui-même et s'il arrivait passer match en barrage là, la retrouver dans groupe B, un groupe qui est là-dedans Brésil, Panama et puis Colombie, et bien c'est dans pour ça Haïti pour bien pour le retrouver. Et bien fanatique football, fanatique de Football Channel, et bien m'a tout rappelé pour nous et Fox sélection nationale féminine senior nous et bam ça comme cadeau parce que 18 février c'est fête moi, c'est fête anniversaire. Et bien me souhaite sélection nationale féminine senior fait que me content pour me capable bien fêter le 18. N'a fin bat Porto Rico 17 février pour nous jouer un billet qualificatif nous pour Gold Cup là et puis moi-même m'a pral bien fêté 18 février à la belle bagaille. Et bien fanatique football, fanatique Football Channel, c'est comme ça ça est. M'a rappelé le à pour Haïti a bien pour jouer avec équipe Porto Rico un match en deux barrages et le à c'est 7h le pays d'Haïti ou même qui en République Dominicaine la 8h pour vous. Et bien c'est comme ça ça y est et c'est dans pays États-Unis match si la bien pour faire dans état California et bien ou même qui dans état California et le AC 4 fanatique football fanatique de Football Channel va l'inviter nous tendez coach là qui c'est Frédéric Gonçalves qui t'a parlé et comment que motivé pour match si là qui c'est match en deux barrages et pour la Gold Cup féminine première édition. Nouveau rassemblement et de la sélection féminine haïtienne au bout duquel la qualification pour la Gold Cup pourrait être acquise ou non. Comment vous et le groupe vous abordez ce rassemblement? Alors on sait que c'est un match capital. On l'aborde d'une manière, on va dire, d'une manière assez sereine puisque on a beaucoup plus de temps pour préparer ce match puisque toutes les filles sont arrivées dimanche et on a commencé déjà le travail depuis hier lundi. Donc on n'est pas dans l'urgence comme on a pu être sur les matchs précédents et on prépare au mieux et dans la bonne humeur, dans un bon esprit de travail et surtout une vraie motivation, une détermination chez les joueuses. Je voulais vous demander et de me parler un petit peu du groupe que vous disposez et à ce moment. C'est un groupe très jeune. Puisque ma joueuse la plus âgée a 27 ans et j'ai des joueuses de 18 ans. J'ai une moyenne d'âge qui doit tourner autour des 20-21 ans. Donc on a un groupe très très jeune, ce qui est bien et très bon pour l'avenir. On sait qu'il y a quand même pas mal d'absentes dans nos rangs, des filles qui ont l'habitude d'être en sélection et qui malheureusement, pour cause de blessures, pour cause administrative et ou même pour cause de suspension, elles ne sont pas ici aux États-Unis. Mais j'ai un groupe de 23 qui est quand même, je trouve, très homogène, où il y a quand même de la concurrence, et avec évidemment l'arrivée de nouvelles joueuses qui apportent aussi un vent de fraîcheur, mais au-delà de ça, aussi de la qualité. Parlant de nouvelles joueuses, il y a Anissa, Roxane, Karine et Chelsea, Laurie Anne, 5 nouvelles convoquées. Et après 3 jours passés avec elles, et vous les voyez comment? Alors, 2 jours sur le terrain, okay. Et un jour pas complètement. Je les ai croisées à l'hôtel. Elles s'intègrent progressivement et gentiment au groupe. Elles ont été bien accueillies, elles ont vraiment un bon état d'esprit, elles sont très fières d'être là, elles ont très envie de pouvoir jouer avec l'équipe nationale d'Haïti et pour toutes, parce que je les ai toutes eues en entretien individuel, les nouvelles comme les anciennes,
Elles ont vraiment cette envie de bien faire et cette envie de porter le maillot d'Haïti. Mm-hmm. Après avoir passé à côté de la qualification directe pour la Gold Cup, l'équipe dispose d'une nouvelle opportunité face à Porto Rico. Que connaissez-vous de cette équipe? On l'a observé sur les différents matchs qu'elle a pu jouer sur la phase qualificative. Il y a de la qualité. C'est un jeu plutôt intéressant qui est un peu différent d'une autre. Avec nos forces et le travail qu'on est en train de faire, on met tout en œuvre pour arriver samedi à 100% avec le meilleur 11 possible et surtout pour, à la fin du match, obtenir la qualification. Mm-hmm. Haïti est très fier de ses équipes de football, je dirais même trop fier. Qu'est-ce que vous pouvez et promettre aux fans du football haïtien à l'approche de cette affiche face à Porto Rico? Moi, je leur promets qu'une chose. De toute manière, c'est ce que j'ai dit en arrivant ici. C'est que les filles seront à 150-200% sur le terrain, prêtes à tout donner pour représenter l'équipe nationale. Et surtout, on veut laisser la meilleure image possible sur ce match-là. Et on fera tout pour continuer, tout du moins pour aller à cette Gold Cup. On est tous très très motivés. On a tous cette énorme envie d'aller dans cette compétition-là. Et on veut racheter certaines choses qu'on n'a pas eu avec nous, qu'on a eu plutôt contre nous dans le passé très récent. Et pour nous, en tout cas moi en tant qu'entraîneur, comme je leur ai expliqué, c'est un mal pour un bien. C'est reculer pour mieux sauter. Merci beaucoup.